Je suis ravi, messieurs, dames, de débuter ce nouveau let's play et cette nouvelle série pour vous et en votre compagnie sur Minecraft en vanilla sur la version 1.9. Bonjour à tous et à tous, ici Npino, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour à nouveau une nouvelle série sur la chaîne. Une nouvelle série qui sera un petit peu spéciale puisqu'elle se déroulera sur une toute nouvelle version de Minecraft, la 1.9. On est le 29 février 2016. Et pour ceux qui me suivent sur Twitter, savent que ça fait 4 jours que je gueule sur Mojang parce qu'ils avaient prévu la sortie le 25 et que ce matin, 1.9 n'était pas sorti non plus. Donc voilà, j'ai été pressé par le temps en plus. Faut savoir que l'épisode 2 de Metro Post Apocalypse, on l'a tourné 2 jours avant sa sortie. Là, cet épisode, je le tourne donc le 29, et vous devez l'avoir pour le 2 mars. Donc voilà, je suis extrêmement pressé par le temps, je tourne cette vidéo. Yeah, je fous la merde avec un papier de Bounty. Donc, oui, ça part déjà en couille. Je tourne cette vidéo un petit peu à l'arrache, je suis un peu pressé. Je tourne ça entre deux Skype. Je suis pressé, mais j'ai terriblement envie de commencer ce let's play en votre compagnie. Et je vais l'expliquer très rapidement. 1.9 de Minecraft, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la nouvelle version de Mojang, avec ce qui s'appelle en français la Combat Update. La mise à jour des combats, et combat update en anglais. Je vais y arriver, il faut savoir que là il est 18h38 pour moi, hein, je commence un peu à fatiguer. Oui, c'est vrai, j'ai pas tourné, j'ai rien fait aujourd'hui, j'ai pas fait de montage, j'ai glandé, oui. Mais voilà, on est parti tout de suite après 2 minutes de vidéo, pile poil maintenant. Oui, parce que j'ai un chrono assez précis et tout dans ma tête. Allez, ta gueule là, nous. Oh, messieurs, dames! Ça y est, messieurs, dames, on se retrouve sur notre let's play Pinou Corp en version 1.9 de Minecraft. Ça y est, on se retrouve enfin, casse-toi, pour ce nouveau let's play. Voilà, et on se retrouve donc sur la version 1.9 de Minecraft. Nous sommes dans un biome Forest et on va voir dès à présent une nouvelle... une spécificité de la 1.9, il faut savoir que j'ai imprimé 4 pages A4 avec toutes les nouveautés, les effets de potions, je voulais les lire très rapidement, les effets de potions, il y a des nouveautés sur les enchantements, pour la génération des mondes. Nous avons de très très grosses nouveautés sur l'Ender, on y passera beaucoup d'épisodes, messieurs, dames, on s'y amusera beaucoup, on fera beaucoup de choses là-bas, on verra de nouveaux items, de nouveaux blocs, des nouvelles créatures et enfin de nouvelles plantes. Bon voilà, on va voir plein de trucs sympas ensemble. On est en -242, 255 et messieurs dames, on va aller en 0-0 pour commencer, entre guillemets, pour commencer, même si l'aventure commence dès maintenant, puisque, comme vous le voyez, je prends du bois, chose assez extraordinaire de Minecraft. Donc voilà, je vous rappelle, je tourne cet épisode dans des conditions un petit peu pourries, il est presque 18h, entre deux Skype, je suis très pressé, donc voilà, je suis assez mécontent, entre guillemets, des conditions, mais voilà, je veux commencer ce let's play, et en même temps, je suis pressé par le temps. Mais voilà, ça me fait très plaisir. Et je sais pas pourquoi je casse les arbres là-bas. Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a pas de hache dans le jeu. Peut-être que si, en fait. Peut-être que si. Oh, succès! Ça, c'est le meilleur de Minecraft. Je suis sûr que ça, c'est le meilleur. Si, c'est le meilleur, je vous assure. Alors j'ai des petits lags, c'est normal, c'est le PC qui est un peu en PLS, hein, on va se le dire. Putain, j'ai du mal en plus, j'ai du mal, oui c'est vrai. On va prendre de la canne à sucre, de la canne à sucre. Et on va voir dès à présent, messieurs, dames, j'ai pas Optifine, hein, une spécificité de... cette version. Déjà, nous avons ici une case en plus, et avec la touche F, qui est par défaut, mais moi j'ai choisi R, on peut switcher les objets d'une main à une autre. Et regardez bien en bas à droite de ma hotbar, j'ai
une jauge, forcément si je tape avec la main ça va pas le faire, une jauge de rechargement de l'épée. Donc voilà, c'est pour cela que c'est la combat update, messieurs dames, c'est parce qu'on se retrouve avec beaucoup de changements sur Minecraft, que ce soit pour le PVP ou même pour le PVE. Voilà, les arcs se rechargent plus vite, on a une vitesse maintenant, mais on peut plus spammer et on ne peut plus. Voilà, là je fais clic droit, messieurs dames, vous l'entendez, mais on ne peut plus parer avec l'épée. C'est bien pour cela que nous avons des boucliers dans cette version de Minecraft. Va falloir que j'arrête de spammer comme un gros porc. Oh, ils sont adorables! Ils sont adorables, les petits poulets, ils font du. Non, mais ta gueule! C'est les petits bruits de pas qui sont adorables! C'est trop mignon! Les poulets font des. Ah, d'accord, ok. Super. Et en plus, voilà, il y a des nouveaux sons. Enfin, voilà, c'est une des très grosses versions de Minecraft. Une version bah, assez importante, hein, puisque bah, ça touche le PVP, ça touche pas beaucoup la redstone. Mais voilà, ça touche beaucoup de choses, ça touche l'end. Et l'end, c'est un biome assez grand, hein, on peut se le dire dans Minecraft. Pourquoi je prends du sable? Je ne sais pas. Je me crois en UHC Run. Donc, voilà, on va gambader sans courir, sans sprinter, avec ma petite épée de bois. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, on a des vitesses d'attaque sur les items maintenant. Je sais pas pourquoi je vais là-bas. Surtout que ce n'est pas par là-bas. Donc va falloir qu'on traverse la mer. J'espère que le 0-0 n'est pas dans la mer parce que ça me ferait chier, je vous avoue. Non, je pense pas. Je pense pas. On va voir, messieurs, dames. Et on va aussi voir dès à présent. Alors, je vous avoue, je ne sais pas comment. Elle se craft. Non. Il y a dès le début les pagaies. Voici le nouveau design des petits bateaux. Et pourquoi en bois de chêne? Parce qu'on va pouvoir les faire dans tous les bois de la galaxie. Et on peut se. Maintenant, on a des rames. Et contrairement à ce que je pensais, ça ne se dirige pas avec les clics souris, mais toujours avec les touches. Les touches ZQSD. Et on peut se le dire, elles sont sympas. Les bateaux sont sympathiques. Hein, moi, j'aime bien. Par contre, je crois bel et bien que le 0-0 est au milieu de la mer. C'est que ça serait pas mal en plus comme biome ça. Non, c'est plus là-bas. Ah, messieurs, dames, je crois que le 0-0 est au milieu de la mer. J'avoue, ça me fait chier. Mais là-bas, peut-être? Je galère un peu avec les bateaux, j'avoue. Maintenant, on part pas dans la même direction qu'on regarde, hein. Mais. Non. Non plus. Non plus. Ah, je galère. Je. Voilà. On va déjà se mettre en zéro sur les Z. Et pourquoi trouver le 0-0 pour simplement y faire notre base, messieurs, dames? Parce que. Bah parce que oui, on va se. Ah, peut-être que. Peut-être que. Peut-être que. Alors, ça me ferait suer d'être dans une Black Forest. Eh, quoique. 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 Et si vous regardez bien maintenant, les bateaux ne se cassent pas. On a beau se cogner, il se casse plus. Oh oui? Oh! Je crois que. Touche. Peut-être avec l'épée? Ouais, avec l'épée. On est presque en 0-0. Oh, ça c'est super, messieurs, dames. On est sur une fucking colline.
Super, on va être là en fait, messieurs, dames. Le 0-0 est bel et bien ici. On va se faire notre petite maison. Alors certains y verront une ressemblance avec le LP mécanique du cher Ailpierre, dieu de la Redstone. Mais voilà, peut-être que certains crieront au plagiat, mais non. Mais non, je ferai beaucoup moins de Redstone que lui. Et puis de toute manière, en beaucoup moins bien, hein, vous vous en douterez, parce que bon, moi et la Redstone, voilà. Ah mais moi je... Non mais tant mieux. Ah non mais tant mieux. Ah non mais... Ah oui, non mais oui. Il n'y a pas de souci. Ouais, non mais pas de problème. Non mais moi je suis partant. Non, vraiment pas de souci, hein, les gens. C'est vraiment pas de souci. En plus, si sont dociles, on va peut-être... Casse-toi là-bas par contre. Tu vas me saouler sinon. Casse-toi. Eh ben non. 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 Putain de mouton! Je peux plus déjà courir. Alors, bah tant pis. Tu veux pas aller dans l'enclos, toi tu vas mourir, toi aussi. Voilà, juste parce que tu as une sale tronche. Eh bien, messieurs, dames, on va. Je pense qu'on va dès à présent s'installer ici. Non. J'avoue, la nuit commence à tomber. Et je commence à flipper. Voilà. Aïe. Recule-toi pour voir. Non. Voilà. Voilà. On va s'établir ici. Non. Non, non. Alors là, non. Je suis juste pas d'accord. Clairement pas d'accord. R? Oh, c'est sympathique. Ah, c'est sympathique. Tu descends, hein? Voilà, t'es mignon. Et puis, je suis désolé, mais je vais devoir en tuer un autre, toi, par exemple. T'es le premier qui est devant moi, donc tu. Non mais. Merci. Et puis, on va dès à présent se faire le lit parce que pour ceux qui ne savent pas, dans Minecraft, la nuit, ça pue. C'est clairement c'est ça. Donc voilà, on va s'établir ici et puis il y aura beaucoup des lits. Je suis un ouf, je suis un ouf. Pourquoi? Non mais pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Tant pis. Voilà, on va s'établir ici et puis on va commencer à faire notre maison. Je vais vous montrer deux trois trucs. On va s'amuser avec la Redstone, même si je suis très très mauvais en Redstone. Ce n'est non, jamais fait de let's play et de vidéo sur la Redstone. Donc j'allais dire ceux qui me regardent depuis longtemps, mais non, c'est vrai que non, j'ai jamais fait de vidéo Redstone. Mais voilà, je vous le dis, j'aime beaucoup, mais les en fait ce que j'aime le moins en Redstone, c'est bel et bien le Les délais, voilà, les délais, c'est ça. C'est ce que je cherchais. J'ai rien pour les faire cuire. Charbon. Charbon. Je vais pas aller loin avec un charbon, hein, par contre. Y en a là, super. Et donc voilà, pourquoi un 0-0 pour tout simplement pouvoir rentrer très facilement. Je vous avoue, j'aime pas du tout faire 300 km. Pour rentrer à ma maison, vous allez me saouler les moutons. Je vous assure, vous allez me saouler. Donc, je peux plus courir, ça m'énerve. Ils font des bruits chelous. Ils font des bruits chelous. Par contre, non. Clairement non. Clairement. Musique. Et ils sont là maintenant, tiens. Bloc. On va se calmer les gens. Et voilà, je vais aussi vous montrer ça. On a les sous-titres maintenant. Pour les sons. Me bé, bruit pas, bruit pas, bruit pas. Me bé. Voilà, on entend. Comme ça, bon, c'est certes un petit peu craqué. Mais dans les grottes, on pourra savoir si la lave est à notre gauche, à notre droite, ou voilà.
éclaboussure. Ah ouais, ils ont vraiment fait tous les sons, c'est classe. Et si je m'éloigne? On entend pas l'épaisseur, mais la couleur du sous-titre change pour montrer qu'on est loin. Et ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. J'aime bien. Mais bon, je vais le désactiver parce que clairement, on n'en a pas besoin. Ici, des petits lags de l'infini. Hop, on va manger. Ah, je vais aussi vous montrer quelque chose. Les dégâts maintenant. Voilà. Encore un petit coup. Non, j'ai commencé à vous dire, mais là, nous, t'es complètement mazo, quoi. Tu fais exprès. Mais non. Mais non, mais non. Voilà. Donc, quand on remonte et quand on mange au maximum, hop! Notre vie remonte très vite. C'est une spécificité de la 1.9. Pour le moment, j'ai pas trop d'avis sur ça. On verra au fur et à mesure est-ce que c'est bien ou pas. Maintenant, ça, y a beaucoup de chances qui vont changer en PVP, autre que le temps de rechargement, etc. Y a justement ça aussi, le fait de régénérer très très vite quand on a la barre de vie, et quand on mange au maximum et quand elle était vide. Donc voilà, on va voir beaucoup de choses au fur et à mesure on va voir beaucoup de choses au fur et à mesure de l'aventure, et on pourra juger ensemble, on pourra dire c'est bien, c'est mal, et on pourra cracher sur Mojang et leur dire mais non, vous êtes fous, pourquoi vous avez fait ça? Alors, déjà on va prendre le charbon, parce qu'on est des oufs. Alors cet épisode, c'est un épisode à la cool, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps. Je ne voulais clairement pas tomber, hein. Les plus avisés remarqueront que j'ai essayé de sneaker à la fin pour pas glisser, mais ça n'a pas marché. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Voilà. 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 Et puis voilà, je compte bien vous montrer donc toutes, mais vraiment toutes les spécificités du jeu. On va juste faire ça. Oh, et nous, t'es fou, t'enlèves ton épée de ta barre d'inventaire. Oui, calmez-vous. On vérifie juste. C'est presque là. J'ai pas de terre. On fera beaucoup de terraforming, je pense. Hein. On va raser cette montagne, on va en faire une autre. Voilà. Et puis on fera notre maison, des systèmes en redstone, on fera des élevages, enfin voilà, on fera tout plein de trucs. Bonjour, et y a-t-il des intéressés dans le coin? Bonjour! Regardez comme ils sont mignons! Ah, mais qu'est-ce que ça? Regardez! Ah, il m'a vu! Aïe! Méchant! Vous voyez, en plus, les animations des mobs ont changé! Eh oui! Les animations ont changé! Alors, tu peux pas monter, dis-moi! Bah non, t'es trop con! Alors, par contre, vous faites beaucoup trop de bruit, donc ça va mal finir! Hein. Voilà, moi. Pour les mobs, j'utilise un petit peu le même traitement, un petit peu le même traitement qu'Hitler. Je les tue tous. C'est clair que ça va pas durer longtemps. Et voilà, le 00 est ici. Voilà. Alors, on va. Qu'est-ce qu'on va faire? On fera des petits trucs hein, sur les îles et tout. En plus, on a un magnifique paysage. On pourra. J'augmenterai la taille de la montagne. On fera des petites cabanes là-bas. On ira s'installer sur cette île et tout. Enfin voilà. Beaucoup de choses en perspective. Ça sera un très grand let's play. Mais pas un let's play comme vous les connaissez sur la chaîne. C'est-à-dire que. Je n'en ferai pas un épisode aussi régulièrement que les autres séries, c'est-à-dire que j'en ferai quand j'ai beaucoup de temps.
Donc voilà, ça me permettra de faire de très bons épisodes, du moins j'espère, hein, dans lesquels on fera des trucs assez intéressants et assez gros, que ce soit du building ou des constructions. C'est la même chose. Donc voilà, on a des petites falaises là. Je ne sais pas dans quel biome on est. On est dans Extreme Hills. Ouais, voilà, c'est ça. Vous savez quoi? On va faire une petite mine là-bas, sur la montagne qui est juste derrière là-bas. Et on va chercher du fer et puis on se dira au revoir. Ça fait à peu près 20 minutes. Comme je vous l'ai dit, je fais un épisode un petit peu spécial. Donc voilà. Ah, du charbon. Voilà. On passera beaucoup de temps dans l'End aussi, parce que je vais vraiment tout vous montrer de l'End. On battra le dragon plus d'une quinzaine de fois. Ouais. Je délire pas. Enfin bon, voilà, on fera plein de trucs intéressants. Je vous montrerai ce qu'on fera. Voilà, les petits filons de charbon de l'infini. Tout va bien. Voilà. Hop, on prend le reste. Bonjour. Tac. Et tac. C'est encore la dèche, hein. J'ai pas d'outils en fer ni que quoi qu'est-ce. Donc bon. On va aller en chercher, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Depuis tout à l'heure. Donc ne vous étonnez pas si pendant un mois vous n'avez pas de Pinou Corp, parce que je crois pas vous l'avoir dit, mais voilà, Pinou Corporation, la nouvelle série sur la chaîne. À la fin, on aura notre domaine, notre entreprise, notre territoire, notre monde à nous. Donc voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'a plus d'un stack de charbon. C'est abusé. J'ai fait un monde vanilla, donc ça veut dire simple, sans rien. J'ai même pas Optifine pour le moment. Simplement parce qu'il n'est pas sorti pour l'1.9. Et oui, Jean-Kévin. Je le mettrai par la suite, mais je ne mettrai pas de mode, bien sûr. Je ne ferai pas comme Aipierre, je ne mettrai pas de save du monde, du moins pas tout de suite. J'attendrai, puisque je ne sais pas si déjà ça vous intéresse. Mais voilà, si vous voulez, j'en ferai plus tard. Mais pas tout de suite. Oh, du fer! Voilà, non mais, non. Là. Et puis, j'aimerais bien vous quitter avant. Après vous avoir montré une spécificité aussi de cette version qui est, ma foi, hyper sympathique. Pourquoi? Parce qu'avec elle, on va pouvoir parer les flèches. Voilà, vous savez très certainement de quoi je parle. Bonjour, je suis là pour récupérer le fer. Oui, c'est moi qui dois le faire. Hein? C'est moi qui dois le faire récupérer. Me ferme ta bouche, là, nous. Et voilà. Et il commence à faire nuit. Aïe. Voilà. Oh, petit bruitage d'eau assez dégueu. Moi, je trouve ça un peu dégueu comme bruitage. Mais voilà, chacun ses goûts. Il y en a qui aimeront les nouveaux bruitages, d'autres non. Comme je dis souvent, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Ok, des petits lags. On terraforme ça. Pardon? Peux-tu répéter, Jean-Kevin? On terraformera. J'arriverai pas à le dire. On terraformera ça. Plus tard, messieurs, dames, on verra comment faire. Je pense refaire les montagnes. Et tout et tout. Ça a commencé déjà à popper par là-bas. On va éclairer parce qu'on peut le faire. On a les moyens. Mine de rien, sur Pinocorp, c'est pas la crise. Eh ben non. On pourrait croire, mais pas du tout. On va encore en faire, vous savez quoi? Je galère un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué comme ça en vanilla. Je fais souvent
Je fais souvent du PVP, comme vous le savez sur la chaîne, et pour la chaîne. Donc voilà, les petits bugs d'éclairage n'ont jamais été résolus. Ça, par contre, je tiens juste à le signaler à Mojang, hein, c'est dégueulasse. Hein. Clairement, on peut se le dire. C'est... D'accord, merci de me faire des frayeurs comme ça. On va d'ailleurs la mettre en à droite, à gauche, pardon, dans ma main gauche. J'ai mis en droitier par défaut, parce que je suis droitier. Je vous le donne en mille. Je commence à péter un plomb, hein. Il est 18h. Voilà. Ah mais non, mais faut que j'arrête de vouloir zoomer, hein. Je n'ai pas d'épée, très bien. Oh oh. Hey. Oh, hey. Combien il faut coup? Voilà. Oh, hey. Oh, d'où tu m'as touché? Hey, au revoir. Hey. Ah si, tu m'as touché quand même. Mais ils font mal. Eh, c'est parce que j'ai pas du tout d'armure, c'est vrai. Je suis un Tardos nudiste à poil dans la nature. Non mais c'est le mot, c'est le mot. Tardos nudiste à poil dans la voiture, mais absolument pas. Et maintenant on a les effets à droite. Il y a un creeper là-bas, il me fait peur. Hein, on a les effets, là ici. Je trouve ça sympa moi. Tu vas cramer petit squeletton. Et j'adore comment il marche, vraiment. Y'a un creeper! Y'a un creeper! Y'a des witches! Non mais tout va bien ici, c'est. Non mais c'est la fiesta quoi, c'est. Bon, j'aimerais bien régène quand même. Avant de me faire sauter la face par un creeper. Hop! Punaise. Je l'avais pas vu. Creeper! Creeper! Ma montagne! Espèce d'enfoiré! Bon, vous savez quoi? On va aller buter les witches. Ouais, parce que moi, alors je sais pas pourquoi. Mais la plupart des joueurs Minecraft ont peur des witches. Oh, mais arrête! Tu sais très bien que tu fais pas mal. Ok. Non, mais je me casse. Je me casse. Je me casse. Je me tire. Sont agressives, hein, c'est... Par contre, cette conne s'est empoisonnée toute seule. Je dis ça, je dis rien. LOL! Comment tu rigoles? Ça me plaît pas. Désolé, mais tu vas me servir de repas. Il faut que je régène, en fait. Et j'ai du poison pendant très... Ben, très encore 10 secondes, donc... va bien falloir que je mange quelque chose. Voilà. Nous allons donc, chers amis, nous préparer, si je puis dire, à affronter ces horribles choses que sont les witches, les sorcières plus précisément. Je n'ai pas de bois, c'est la crise, oui, c'est la crise. Vous avez raison. Donc on va aller couper du bois, tel un petit bûcheron. Aïe aïe aïe, yaou. Moi j'ai tenté de faire le tyrolien mais ça n'a pas marché, vous avez... Oh, tire-toi une bûche. Aucune connotation sexuelle, c'est Minecraft et c'est succès, hein. Je suis désolé mais c'est pas moi. Là par contre, voilà. Pipaloum paloum, j'ai un demi-cœur, donc je me prends un truc, je meurs, c'est clair et net. Ai-je un arc? Non, alors moi, faut savoir que dans Minecraft, si j'ai pas d'arc, je suis mort. Hein. Ah non, clairement. Je n'aime pas me battre avec autre chose qu'un arc. Hein. C'est clair que je me sens solo, sinon. Je me tire. Demande pas pourquoi je suis parti sans menthe. Non, je sais pas chanter non plus. Non, je sais pas me battre avec une épée et je sais pas chanter. Non, je suis un mec assez pauvre sur Minecraft. C'est clair que je suis à plaindre. Plaignez-moi dans les commentaires. Plaignez-moi. On va utiliser cette pauvre petite planche de chêne qui est seule. Alors voilà, ça c'est assez rudimentaire, hein. Mais on va... D'où le mouton il me pousse comme ça? D'où? Allez. Photo!
Voilà, ce sera pour la miniature. Donc voilà, on va poser tout ça. Et donc, messieurs, dames, nous allons nous préparer. J'ai pas mon bois. Très bien. Comment se faire enculer par un jeu? Très bien. Désolé, excusez-moi d'être vulgaire. Très bien. Notre épée en fer. Bien, très très bien. Mon bois, s'il te plaît, respecte-moi. Combien il m'en faut? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai un de trop, c'est pas grave. Et un magnifique craft. Il m'en fallait 6. Du bouclier. Oui, messieurs, dames, parce que maintenant nous avons les boucliers. C'est avec ça qu'on va pouvoir parer, donc. Non, mais laissez-moi régénérer, s'il vous plaît, respectez-moi. Et donc voilà, on va pouvoir régénérer. Et donc on va. Oh non! Oh non, je suis tristesse! Oh non, je suis grave déçu! Oh non, les witch ont des pop! Oh non! Bon, attendez, on va aller chercher d'autres mobs. C'est pas grave. C'est moi qui fais ce bruit-là sur les graviers. SOS. Non, t'es rien. En détresse. Pardon. Calme-toi, là, nous. Bonjour, y aurait-il quelques mobs pour tester ma nouvelle armure? Ok. Ça bug. Les vaches? Non, ouais, ça m'avait pas l'air très très agressif comme mob. Je veux des mobs hostiles, s'il vous plaît, pour terminer ma vidéo. Allô? Mob hostile à l'appareil? J'espère qu'il y en aura qui ont spawné sur le chemin du retour. Allô? Mob hostile à l'appareil? On va se prendre un magnifique vent pour cette fin de premier épisode. Ah bah non, attendez! Il y a les petits squelettons! C'est quoi ça? Oh! Attendez. Oh! Oh la belle grotte! Oh la belle grotte! Non mais arrêtez, bande d'obsédés. C'est... Oh! Mais c'est qu'elle est belle! Et est-ce que c'est de là? Est-ce que c'était là qu'il y avait les petits squelettons? Non, absolument pas. Par contre, ne rien entendre me fait flipper, j'avoue. Ok, merci le mouton. Le mouton qui me réconforte, quoi, c'est agréable, hein, c'est sympa. Merci le mouton. Alors attendez, il me semblait qu'on avait vu une grotte. Donc il y a des grottes là-dessous, très bien. Donc notre maison possède dès à présent des fosses sceptiques. C'est pratique. D'accord, il n'y a rien. Alors c'était où? Alors, bonjour le mouton. Non. Je fais n'importe quoi. On va se calmer. Alors, où est-ce que... Il me semblait que c'était là... Non. Très bien. Je me prends des stops par le jeu. Ça fait plaise. Où était-ce? Déjà, enlève-moi ça, ça me saoule. Où était-ce? Alors ça, à la recherche de la grotte au squelette. Là, c'est... On se croirait dans un épisode de The Legend of Zelda. C'est... Alors ça... Ah, re, messieurs, dames. Ah bah, bonjour, mais non. Enfin, non. Alors... Oh, il y a un petit méchant là-bas. Oh, il m'a vu. Le poil au cul. J'ai pas mon bouclier.
Voilà. Alors, vous m'en voulez pas si je vais prendre ma revanche. J'étais un peu déstabilisé, j'avais pas mon bouclier. J'ai essayé de parer, mais bah comme je l'avais pas, je me suis fait baiser. Donc voilà. C'est un peu lamentable, je vous avoue. Pour ma défense, si vous voulez, je peux dire qu'il y avait des lags. Mais c'était record, donc bon. Vous allez peut-être pas me croire. Je peux aussi dire que qu'il est 18h. Mais ça, c'est vrai, par contre, hein, qu'il est 18h, c'est vrai. Bonjour. Je veux juste mon épée, histoire de pouvoir taper. Bon, bah, tant pis. Tant pis, non, mais c'est pas grave. On va prendre notre revanche à plusieurs reprises. Ce n'est pas grave. Je prends déjà des dégâts. Bonjour les bugs de Chunk. Après, moi j'aime bien la 1.9, elle est stable, hein, mais je dis ça, je dis rien. Bonjour. Non, c'est pas avec la canne à sucre que je risque. Ah non, mais si l'araignée s'y met. Ah non, mais pas le. Non, pas le creeper. Pas le creeper. Il me semble. Oui. Par contre, on va se calmer les mobs, hein. On va arrêter les conneries. J'aimerais bien quand même récupérer mon stuff, si cela est possible. Visiblement pas. Eh, petite araignée! Petite araignée! Voilà. Alors déjà, viens. Viens. Non mais je sais que tu peux monter les murs. Viens. Viens, trou du cul! Mais c'est qu'elles m'ont l'air connes en plus, ces araignées. Non. Pourquoi tant de haine? Voilà, si j'élimine le creeper de suite, ça sera bien. Oh là là. Mais reviens! Ouais. Presse, n'explose pas s'il te plaît, y a mon stuff. Oui! Allez, le pire est effacé. Enfin, le pire est tué. Viens. Viens. Par contre, elles sont toujours aussi connes, les araignées. Hein. C'est clair que. Toujours autant de problèmes mentaux. Allez, encore une en moins. Voilà. Allez, bim. Juste. Je prends ça et je m'en vais. Hein. Vous m'en voulez pas, mais. Allez, salut! J'ai récupéré mon stuff, j'ai tué deux araignées. Le skeleton, c'est celui-là que je voulais. Mais c'est pas grave. Bien, messieurs, dames, je me stufferai pour le prochain épisode. Et on se retrouvera, on fera plein. Mais non, mais. Pourquoi tant de haine? Mais non, mais pas ma vache! Casse-toi! Mais non, mais pas ma vache! Par contre, si tu te mets devant, il va falloir que tu meurs aussi. Hein. C'est clair que. Allez, tu m'as même pas touché, bitches! Merci à toutes et à tous d'avoir cette vidéo, d'avoir regardé ce premier épisode de Pinook Corporation, mon nouveau let's play sur Minecraft en 1.9. Je vais me faire brûler par un fucking zombie. Bonjour! J'aurais peut-être pas dû faire ça. N'ayant pas d'armure, j'aurais peut-être pas dû. Eh ben tant pis! Allez, salut! C'est quoi ces bruits horribles? Ne tue pas mes animaux! Ne tue pas mes animaux! Bon, il les a pas tués, c'est déjà ça. Il les a juste un peu endommagés. Les mobs sont hostiles hein, dans cette version. Hein. Allez, bisous, c'était l'anneau. Tiens, bitches le creeper!
Anoupinou.